Oui, donc, coucou les champions, je ne sais pas si tu m'as entendu, mais ça t'intéresse pas les mots croisés? Parce que je le sais, car tu es épileptique, c'est pour ça que tes streams ne dépassent jamais les 2 heures, d'accord. Parce que tu peux demander à Alex, c'est sympa les streams de mots croisés, hein. Et même si tu n'es pas fort en français ou si tu ne connais pas les mots croisés, ça peut être intéressant quand même. Alors. Ah bah. Échec. Paf. Ah non, ça va pas. Ah non, mais tu devrais essayer une fois, juste une fois pour voir. Pour voir si ça peut t'intéresser ou pas. Tu verras, c'est pas. On peut parler de plein de choses, hein, on apprend des trucs. Mais bon, je ne veux pas te forcer, c'est juste qu'on est là en train de discuter. Je pense qu'Alex peut te dire que c'est sympa, les streams de mots croisés. Alors, je pense qu'il faut faire dégager le fou. À moins que ça. Oui, non, mais ça va pas. On échange et puis l'autre, il va se barrer. Ah, échec. Là, c'est intéressant. Là, je pense que c'est la prise de la tour, il n'y a pas de fantaisie. Il va me prendre le fou, mais bon. Le cavalier. J'ai pas moyen de sauver le fou, le cavalier. Ah putain! Tout ça pour gagner un pion. Tout ça pour gagner un pion. Ah! Désolé d'avoir crié. Hein. Avantage final, attaque sur l'aile droite, long problème. Voilà. Encore une fois, je m'étais dit, de toute façon, tu vas le laisser, il commence à faire tard pour toi. Bisous. Bah, salut, coucou les champions. Et merci d'être passé, ça fait plaisir. Pour Alex, avant de faire une crise, tu perds l'usage de la parole ou tu perds d'une manière incompréhensible. Tu parles en charabia, tu comprends plus ce qu'on te dit. Tu as des hallucinations visuelles, auditives et des impressions de déjà-vu. Tu mêles ça à des sensations étranges dans la tête, une respiration rapide. Ouais, d'accord. Mais bon, tu t'en rends compte. Tu sais, à partir du moment-là, tu sais qu'il y a quelque chose, que ça arrive. Ah, c'est juste pour un pion qui me le valide pas, là. Oh, je fais chier. Et donc, si tu es encore là, coucou les champions, merci d'être passé. Ça fait plaisir. Et prends soin de toi, hein. Ok, bon. Et là, c'est typique, là, le coup précédent, où ça paraissait tellement évident. Que bah là, cette fois-ci, il y avait un autre coup en plus qui a foutu en l'air le truc. Mais Alex, tu le sens arriver, tu t'en rends compte que tu vas avoir une crise ou c'est seulement après que tu te dis, ah oui, bah, j'avais ci, ça, ça et ça, et c'était une crise. Mais ça t'a pris tellement par surprise que tu n'as pas le temps de te rendre compte. Parce que pour moi, l'épilepsie, c'est un monde inconnu, hein.
J'y connais rien, je connais personne qui est épileptique, donc j'ai éventuellement de vagues clichés que je pourrais avoir sur ce que j'ai pu entendre à l'occasion. Oh là. Non, elle a des cases. Faut que je fasse gaffe au mat du couloir. Quoi qu'il y a, il y a toujours ça. Bon, il y a un échec là. Qu'est-ce qui m'apporte? Rien à part virer le cavalier d'ici. L'aura épileptique, donc les signes avant de faire une crise, tu les connais, mais ils arrivent subitement. Et quand ils sont là, tu n'as aucun contrôle, d'accord. Oui, c'est pas, il n'y en a pas un après l'autre, et puis au bout du compte, c'est un gros truc. Non, c'est tout d'un coup, ouais, d'accord, donc tu n'as aucun moyen de réagir. D'accord. Ah oui, ça c'est pénible parce que bon, l'épilepsie c'est pénible à la base, mais si en plus ça te prend subitement, t'as même pas le temps de te mettre assis ou d'arrêter ta voiture quand tu conduis, c'est. C'est vraiment problématique. Ah, t'as pas le droit de conduire, d'accord. C'est plus prudent, c'est plus prudent. Il devrait y a plus de gens qui auraient pas le, qui devraient pas avoir le droit de conduire. Parce que plus pas apte ou plus apte à conduire. Moi, je conduis pas non plus, hein, donc moi, bon, j'ai pas le droit non plus parce que j'ai pas le permis, mais je conduis pas. Est-ce que c'est intéressant d'avoir ça, éventuellement ça? Il va pas me laisser faire. Et je ne savais pas que les épileptiques, enfin, ou ceux qui sont dans ton cas, là, n'avaient pas le droit de conduire. Je ne savais pas ça. Ah, mais c'est pas mal ça. Bon, le fou là, il est en danger. Ça dépend de la forme de l'épilepsie et s'il est stabilisé, il y a des épileptiques sous traitement qui font plus aucune crise, donc eux, la conduite, c'est OK. Ah, d'accord, oui. Mais je savais pas, tu vois.
Qu'est-ce qui l'empêche de venir bouffer mon fou là? Qu'est-ce qui l'empêche de venir bouffer mon fou? Parce qu'après, si je fais ça, ben, il revient là. Non, même pas, il peut se barrer là. Et je suis pas plus avancé. Je peux éventuellement faire ça pour protéger mon fou, mais lui, s'il fait ça, il va se protéger là. Ah, si je fais ça, non. Non, ça ne m'arrange pas. Non, mais là, c'est... Non, il peut pas. Il peut aller là. Non, oui, s'il peut. Aller là, peut aller là. Ouais, donc là il se met à protéger le truc. De toute façon, le seul traitement qui est sûr à 100%, c'est la chirurgie, donc l'ablation de la partie malade. Ça a été envisagé pour toi, mais la zone qui est touchée est trop près de celui de la parole, et il n'est pas exclu que je n'ai qu'une seule, que tu n'aies pas qu'une seule zone malade. Ouais. Donc, à moins de donner ma tête à Frankenstein, je préfère vivre avec. Ouais. Faut voir si c'est les inconvénients sont supérieurs, sont inférieurs aux bénéfices. Mais bon, ça, il n'y a que toi qui peux le savoir. Hein, avec de l'extérieur, c'est trop difficile d'avoir un avis. Ah, mais attends. Si je fais ça, il peut pas venir manger parce que sinon il y a. Il y a Matt là. Qu'est-ce qu'il fait si je fais ça? Bon, éventuellement, il va faire ça. Ouais, moi aussi, je suis en train de trouver des vertus à ce dame B3. Ce qui n'est pas commun de mettre sa dame en prise, mais... Par contre, le deuxième coup, le coup des noirs, des blancs... Parce que de toute façon, il faut qu'ils fassent quelque chose. S'ils font, par exemple, un coup de merde comme ça, moi je prends, il prend, là, ok, donc il est pas très avancé. Il est même très perdant. Donc, à mon avis, il doit faire ça. Ah ouais, je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça. Toujours une petite surprise, hein, de l'ordinateur. Je pensais pas à ça. Est-ce que je l'ai pris celui-là? Oui. Avantage, long problème, millier de jeux. 2227. Ce petit coup-là, je suis très content de l'avoir trouvé. Et j'ai longtemps. Bah tu l'as vu, hein, j'ai longtemps réfléchi sur ce coup-là.
qui était assez séduisant à la base, mais j'arrive à rien. Et alors, la surprise de ça, je m'y attendais pas. Eh ben, on continue. Alors, c'est quoi mon score maintenant? Ah non, non, il n'a pas tout enregistré. Il n'a pas tout enregistré. Ah bah si, il est 32, là, oui, c'est bien ce qu'il m'annonçait, 32. Mais j'ai fait mieux, normalement, il me semble. Il y a un moment, j'ai fait un peu mieux. Ah tiens, 35. Ah non, non, c'est RS, c'est 34, mon meilleur score en streak. Alors, très haut noir. Le cavalier est cloué. Échec. Oh, ça me paraît. Il paraît partir à l'aventure. Attends, j'ai oublié ça. Est-ce que je peux mettre en rouge? Oui, ok. Je peux même faire. Attends. Non, on va. Peut-être pas utile de le faire maintenant. Ah, je peux le faire après. Je peux le faire après quand il y a la dame là. Donc, échec. Prends. Sinon, on perd une tour. Dame, échec. Il peut pas le protéger, donc il va retourner à l'abri. Oh, ça c'est. Est-ce que je me contente de bouffer le foula? Ben non, ça serait juste. Non, non, ça suffit pas. Je sacrifie un fou, je peux même me retrouver juste avec récupérer un fou. Donc, il n'a pas d'autre choix que de faire ça. Non, ça va pas parce que. Si, ça va. Je vais tousser. Donc, je coupe le micro. Voilà, je suis de retour. Ouais, je vais boire un coup. Je pense que là, il va parer l'échec avec la tour. Donc, je peux prendre ça. S'il peut pas prendre parce que j'ai madame là. Et après, donc la tour là, elle est en danger. Donc alors, on dit ça. Si ça se trouve, il va se barrer là. Il prend. Alors, échec.
Il protège là. Je peux pas prendre avec le cavalier là, donc je prends avec le cavalier là. Et le coup d'après, je peux prendre avec la. Je peux prendre la tour. Je pense que c'est ça. Ah, d'accord, donc il n'a pas protégé. Si je fais ça, je menace le mat en 1. Et même le mat ici. Donc il va être obligé de me donner sa dame ou de virer sa tour. Oui. Alors, 2325. Ah, pas mal. Avantage, attraction, attaque sur l'aile roi, long problème, ouverture, sacrifice. Encore une fois, je ne l'ai pas trouvé excessivement dur. Moi, je m'attendais plutôt à ce qu'il fasse ça. Alors, attends. Oui, il y a une vraie différence entre prendre et pas prendre là. Hein. Ça, jusque là, oui. Et ah, bah, c'est pas si bon que ça. Ah, c'est même le. Ah oui, c'est carrément mauvais. Enfin, il n'y a pas une grande différence hein, entre 6-1 et 7-2. Là, il sacrifie sa tour pour. Ouais, donc il a une tour pour deux cavaliers. Ok. Mais bon, je suis content de l'avoir trouvé. Ok, donc très haut noir. Qu'est-ce qu'il y a à récupérer là? Bon, c'est pénible, j'ai ma gorge qui me titille là. Ah, attends. Échec. Attends, non, 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 je pense que c'est pas ça qu'il faut faire. Je pense que c'est échec. Un ah oui, non, mais là, s'il monte, là, ça marche plus. Échec. Putain, je me dis, quand je fais des échecs, je parle moins, donc ma gorge va être moins irritée. Bah, c'est pas le cas.
Ah ouais, oui. Ah oui, donc là, il faut que je prenne une dame, une tour. Donc en faisant ça, j'attaque la tour ici. Mais le roi la protège encore. Par contre, donc s'il va là, j'attaque. Donc il est obligé de se barrer et la tour là, elle est en prise. S'il va du côté là, par contre, il peut aller là. Mais bon, s'il va là, je prends là. Donc il doit aller ici ou là. Et là, en mettant la tour ici, j'ai même les deux qui sont OK. Donc ça devrait être bon. Ça, je l'avais pas prévu. Échec. Pas aller là. Pas aller là aussi. Ça va pas. Il faut que je lui prenne sa tour. Si je sacrifie le... Ça va pas le gêner plus que ça. Pour l'instant, moi, je n'ai pas de coup candidat. Parce que ça, s'il va là ou là, comment je l'éloigne de la tour? En plus, évidemment, là, il y a ça. Donc, non. Même si je mangeais le cavalier, c'est pas... J'ai ça. Ah, c'est pas mal ça. Ça, c'est pas mal. Éventuellement, parce que regarde, il peut pas le prendre parce que avec le roi, parce que j'ai ça. Il peut pas le prendre avec la tour parce que il est cloué, donc il est obligé d'aller là ou là. S'il va là, je fais ça. Et là, s'il mange ou s'il va là, je peux manger le cavalier. Mais on est tellement habitué à pas toucher au roc que c'est pas forcément un coup qu'on envisage ça. Oh oui. 2200, ouais, c'est vrai, il n'était pas excessivement dur. Alors qu'est-ce qu'il avait fait? Il était allé là, je crois. Ah oui, donc c'est pour ça que ici c'était pas un bon coup, là il pouvait encore avoir une chance de se protéger, oui. Je suis content de l'avoir trouvé aussi celui-là. Avantage, déviation finale, très long problème. Alors, très haut blanc. 2358. Et fais voir comment il me l'annonce là. Il faut le mettre à jour là. Le mettre à jour. 2358. Plus 108 points. Plus 108 points. Bon alors. Non, c'est pas celui-là. C'est pas ça. C'est ça. Mais par contre, là, j'ai pas trop de problèmes à plus de 2300. J'en ai fait 2-3. Je les ai assez bien réussi. Ça devrait pas tarder à arriver, normalement, des trucs à 2300, 2400. Très haut blanc.
La tour est pas protégée. Échec. Ça échec. Et je peux bouffer la tour. C'est alléchant. Donc, si je fais échec là, et qui prend? Échec. Ah, il peut venir ici. Donc ça ne marche pas. Je suis content d'avoir trouvé que ça marchait. Pour moi, c'est aussi important que si j'avais trouvé que ça marchait. Par contre, si je fais ça, là, il y a échec. Et s'il va là, ou s'il va là, je fais échec là. Et je prends la tour. Ok, ça doit être ça. Tu peux changer le niveau en bas à gauche, au-dessus du thème des problèmes et au-dessus du mode zen. Et tourner chez... Oui, je sais, je sais, tu peux, c'est plus 300, moins 300, moins 6, oui. Non, non, mais je vais y aller progressivement. Je le faisais ça pendant un temps quand je voulais pas rater le problème en cours, mais que je le trouvais pas. Donc, j'en changeais, et donc ça me le comptait pas comme raté. Voilà. 2267. Dégagement, écrasant, attaque sur l'aile, long problème, milieu de jeu, sacrifice. Putain, mais c'est moi ou ils sont plus faciles? J'ai vraiment l'impression qu'ils sont faciles. Ouais, il m'est même arrivé d'en réussir à 2600, 2800, mais un sur je sais pas combien, mais et l'avantage c'est que tu perds pas beaucoup de points quand tu te plantes dans ceux-là. Enfin, simple. Ah, tu veux dire aujourd'hui là? Les problèmes que je résous, oui, ils sont relativement simples. En tout cas, j'ai l'impression de les résoudre facilement. Attends, je ne sais pas s'ils sont simples, mais je les résous facilement. Oui. Oui, aujourd'hui. Avec l'idée de faire échec. S'il fait ça. Paf. Mais bon. Échec. Mais tu les trouves plus simples que d'habitude ou, encore une fois, tu arrives plus facilement à les résoudre? Parce que c'est pas forcément la même chose. Ah bah là j'ai fait 100, plus 100 points, c'était 2270.
Non, tu arrives plus facilement à les résoudre, mais le problème est ni plus simple, ni plus compliqué. D'accord. Parce que deux, trois, on trouve que l'évaluation est surévaluée, surcotée. Ok, mais tous, ça fait beaucoup. Enfin, ou la plupart, ça fait beaucoup. Et je dis ça, puis je vais me planter sur celui-là. Échec. S'il va là, il m'emmerde. J'ai pas d'échec. Ah si, j'ai ça comme échec. Par contre, on peut se mettre là. J'ai l'impression que ça, c'est pas le bon coup. Ça m'étonnerait grandement que ça soit le bon coup, ça. Ah, ouais. Non, c'est ok. Je vais prendre un petit peu de miel. C'est assez emmerdant si je peux pas parler de plus de 3 heures pour streamer, c'est pas. Et je sais pas faire que je sais pas comment exercer ma voix. Parce que j'ai pas l'impression qu'il y ait de progrès. Je me suis dit, bon bah, les cordes vocales étant un muscle, en streamant 3 heures, 4 heures, au bout d'un moment, elles vont être. Entraîné, et donc il n'y aura plus de problème, mais pour l'instant je vois pas d'amélioration. Bon alors. Oh bah. Est-ce que ça serait pas tout simplement ça? Parce qu'elle me paraît bel et bien fermée. Ah oui, elle me paraît bel et bien fermée, la dame. Ça me paraît quand même être un bénéfice, là. Et après, il est obligé de faire ça. Oui, je pense que c'est ça. Je vois aucun bénéfice à prendre la dame. Et que lui prenne la mienne, je ne peux pas récupérer la pièce donc. Ah, oh, bravo. Désolé. 2310, avantage, long problème, milieu de jeu. Là, il était un peu plus difficile, puisque là, c'était pas un mat. Allez, je m'arrête à 3000. Très haut blanc.